Bonjour, donc je m'appelle René Mira, je suis multi-instrumentiste spécialisé dans les cordes, donc à savoir banjo, mandoline, bouzouki, mandoloncelle, dobro et violon. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Voilà, j'ai un parcours musical d'accompagnateur. Je compose également pour la télévision, pour le cinéma. Et je joue de l'instrument depuis maintenant une trentaine d'années. Je suis toujours à la recherche de musique traditionnelle nouvelle. Alors c'est une passion en fait. Je viens à la base du rock, du rock and roll, du hard rock, et je me suis spécialisé dans la musique trad, donc les instruments traditionnels. Je vais me baser sur le texte que va dire Laurent Joly, et en fonction de ça, je vais adapter mes instruments et ma musique sur ces phrases. Chose qui est très intéressante à faire justement avec ces instruments. Moi, je pars du rythme déjà. Déjà de trouver un rythme qui va avec les paroles, avec le texte. Et après, la mélodie découle toute seule, en général. Puisque j'ai beaucoup de thèmes composés que j'ai en tête. Et qui vont... après, j'ai juste à les caler sur les textes et les jouer sur les rythmes correspondants. Alors, j'ai prévu un instrument, c'est la mandoline, qui est un instrument utilisé en musique, beaucoup utilisé en musique américaine, musique traditionnelle irlandaise. Et un country également en bluegrass. Donc en plus du banjo, mandoline, guitare et violon. Si je pouvais les faire danser, parce qu'en fait c'est un challenge quand on joue seul, c'est de réussir à faire chanter, à faire danser le public. Chanter non, puisque ce serait essentiellement instrumental. D'accord. Mais déjà, si je peux les faire danser avec des jigs ou des rythmes un peu soutenus, ce serait déjà une bonne chose.